Donc, effectivement, les paliers de big data, c'est toujours donné, mais c'est parce que dans le monde nous y est là, à partir des années 70, les données ont commencé à venir en pile. Donc, généralement, on parle de 3V pour big data. On parle de en pile, ça veut dire c'est volume. Donc, il y a plus de données qui sont disponibles, un ensemble de données qui en pile. Mais tout ça crée les vitesses là, parce que données, grâce à la technologie, viennent disponibles plus rapide. Si on parle de quantité de tweets qui fait, par exemple, de monde qui vivent en Haïti, qu'on y a là. Donc, son bagage, son données qui a changé, donc à de seconde à seconde, parce que chaque seconde, on quantité de nouveau cap tweet, donc on niveau, on vitesse que données ont venir et que ça fait que y en pile. Et puis, ça nourrit les variétés en tout, c'est quantité type de données qui existaient. Longtemps, c'était plus dans données qui étaient structurées, donc des bagages que monde qui a géré données, t'es qu'à mettre dans des tables relationnelles facilement pour gérer. Mais qu'on y a données au vin gens plus variés, nous gagnons audio, nous gagnons vidéo, nous gagnons photos, et puis nous gagnons texte comme type de données qui existait qu'on y a, qui fait que nous parlons de big data globalement.